Azul, bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va voir le clignotement, comment le paramétrer. On va continuer directement sur un projet qu'on a vu déjà. D'accord? C'est pas la peine qu'à chaque fois qu'on fait ce qu'on a fait déjà, vous pouvez trouver les. Voilà. Donc, on va ajouter un bouton ici, marche arrête. Ici, c'est un memento, c'est le memento de cadence. On va à la fréquence, on va l'appeler E0.0. Ici, E0.0, on va 4 par exemple, E0.0. Voilà. Donc ici, si on va faire la simulation, ça passe à rien du tout. Hein. Donc on doit paramétrer ce mi-manteau avec utilisant la CPU, la cadence de la CPU. Donc on clique deux fois sur la CPU, ça nous sort les propriétés de la CPU. Après on clique sur le cycle. Voilà, le cycle pimenton ici on le trouve comme ça, d'accord. Moi j'ai vu déjà, donc il est déjà à l'avance accroché, d'accord. On accroche ça. Après là, on fait l'octet de pimenton, d'accord. Nous on a utilisé le M0, d'accord. Si par exemple on a utilisé le M1.4, par exemple M5.0, d'accord, on écrit l'octet qu'on a déjà utilisé dans le pimenton. Voilà, c'est trop simple. On va enregistrer et compiler, ça y est. Bon. Ici, elle est déjà activée. Donc, on charge ici. Donc ici, la fenêtre des mémentos, ce sera ici. On va utiliser le E0, le A0, le M0, voilà, c'est bon. Donc on peut lancer. On visualise. Voilà. Comme on peut voir ici. Voilà. On peut voir ici que ça clignote. D'accord? Si on active, on excite celui-là, on peut voir la sortie, d'accord? Elle clignote ici. Après, si on veut changer la fréquence, moi j'y mets le 5, donc c'est presque au milieu. Donc si on veut diminuer la fréquence, on met le dernier bit, d'accord? Le 7, donc on va se mettre en arrêt. Voilà. Et si on va mettre par exemple le 7, ça normalement ça va donner 1 Hz. Ça veut dire une fois par seconde. Voilà. Vous voyez que ça ralentit. Vous voyez que la fréquence est diminuée. Si par exemple on veut augmenter la fréquence, on utilise le premier bit, d'accord? On va modifier rapidement. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir que la fréquence est vraiment très augmentée. Voilà, c'est tout. Le clignotement normalement c'est très clair, hein. C'est facile. Après, on peut utiliser par exemple plusieurs. Voilà, c'est tout. C'est très clair normalement. Merci Talmilk.